comment il fait, Peter ? Bonjour mes chéris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu différente parce que Pierre KFC il est pas là. On est à l'Enduro du Touquet ce week-end pour suivre la course avec Clotaire de chez nous là, ici. Donc on vient d'arriver, on est vendredi. C'est la course vintage aujourd'hui, donc on va aller voir Rémi du Squadron Noir Véhicule. Je pense que vous l'avez déjà vu en vidéo, celui qui a le M6 Bomb Truck. Donc on va aller le voir rouler et là en fait on sort la bécane. On va au contrôle technique moto, les vérifs des papiers, etc. pour l'assistance. Et puis je vais essayer de vous filmer un petit peu tout ça, voir un peu comment ça se passe de l'intérieur. Et puis voilà quoi. Hey Pierre, tu peux nous expliquer c'est pourquoi ça? Ça, on va vous mettre une photo de l'année dernière, c'est Pierre dans sa belle tenue. C'est moi. Tu peux pas faire l'enduro cette année. Présentement. Parce qu'il est pour cause de présentement blessé. Pour cause de rupture des ligaments croisés et fracture du plateau tibial. Waouh. Tu vas revenir encore plus fort l'année prochaine. Ah bah l'année prochaine je vais le manger. C'est vachement sérieux le Touquet. Bon, hein, tonton Crotaire. Oui. C'est quoi l'objectif là? L'objectif? Ouais. Bah déjà qu'elle passe au sonomètre. Pourquoi elle passerait pas? Bah cette année j'ai pas refait la laine dans le pot, donc bon. Ah oui ouais, c'est vrai, l'année dernière t'avais refait la laine à l'intérieur, ouais, de l'échappement. Parce que c'est combien à la limite? C'est 100... C'est 112, toléré 114. Ouais, toléré, ouais. L'année dernière j'avais une ligne d'Oma, donc ça craquait un petit peu, une compète. Là je suis sur une ligne d'origine, donc bon, logiquement ça devrait le faire. On verra. De toute façon, ça, c'est un petit peu conciliant et puis c'est le passement. Après, mais je une paire de chiffons dans la boîte à air et puis ça passera. T'as le biche cette petite moto là. Ouais, toute neuve. Et MCB c'est quoi? Parce que là moi je comprends pas, je vois MCB là, MCB dans le dos. C'est quoi ça MCB? Il y a deux MCB. Alors il y a la boîte pour laquelle je travaille avec Cyril Mouchy, mon boss. Donc c'est Mouchy Concept Bâtiment. Je peux le dire ou pas? Ton boss et accessoirement mon petit cœur. Mon petit cœur, ouais. Ouais. Après, cette boîte là, après on a une deuxième boîte, c'est Mouchy Concept Embellissement, où là on fait vraiment de la rénovation de l'habitat intérieur, extérieur. Et donc ça les deux te sponsorisent pour l'enduro? Tout à fait, ouais. Et après il y a aussi MCB, c'est Mouchy Concept Bois, c'est le frère de Cyril, Alexandre. Et lui il est charpentier, il fait la menuiserie bois, PVC, alu, tout ça quoi. Qui te sponsorise également. Aussi, ouais. Bah, tout le monde qui est sur la moto, de toute façon. On fera un petit tour après le contrôle. Ouais, c'est bon. Comme ça, tu parleras vite fait de tous les sponsors. Mais je vais remettre une photo de la moto de l'année dernière. Là, en full orange, je la préfère. L'année dernière, elle était belle, ça claquait. Mais elle était un peu, il y avait un peu de noir. Plus et là, KTM, ça, fait, ouais, ça fait plus KTM. J'aime vraiment bien. Là. Et du coup, là, on. Bah, là, je sais pas où c'est. Je sais plus où c'est. C'est, je crois qu'on. Là-bas? Il me semble, ouais, qu'on bifurquait à un moment. Tu nous tires si c'est pas là-bas? Alors en gros pour la petite histoire pour ceux qui ont peut-être pas suivi, l'année dernière Clotaire là il a déjà fait l'enduro avec Pierre qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, Pierre a fait c'était son premier enduro également Pierre. Et Pierre a fini 700. C'est qui ce branleur? C'est par là ouais. C'est par là. On se voit après. Ouais, tu vas voir le vintage. C'est à midi, hein, c'est quoi? Ouais, je sais, mais on va repérer la pile. Vas-y, on s'appelle. Ouais, c'est une salle. Alors, je disais. Oh, du coup, bah, donc, c'était un flop. Donc, Pierre a fini 756 pour son premier enduro. Clotaire qui avait fait une très bonne préparation. Un, deux, trois, franchement, la prépa, elle était bonne. Ouais, une bonne prépa. La prépa, elle était bonne. Et Clotaire, il est parti. Parti très bien, franchement, très bien. T'as réussi à remonter des places dans la ville parce que t'es parti en deuxième vague vu que t'avais le numéro 1007. Ouais, c'est 1007, j'étais tout au bout dans la 1007, tout au bout. Il a réussi à remonter pas mal de places. Il a fait un bon départ. Un bon premier tour. Enfin, un peu pour rien, premier tour. Et bah, l'histoire elle s'arrête là. Ouais. Et donc en fait, quelques mètres avant l'arrivée, l'embrayage qui avait chauffé. Ouais, il a plu. Ouais, l'embrayage qui avait chauffé. Et à force d'essayer de redémarrer la batterie, il a sucé la batterie. Et sauf que t'étais dans un endroit où on pouvait pas te ramener ta moto au ravito. Juste avant l'arrivée. Le virage avant l'arrivée. Voilà, donc ce qui fait qu'en fait la moto, elle pouvait pas être ramenée par l'assistance. Parce qu'elle a été ramenée après la course. Et donc du coup, après la course, et donc du coup il a fini 1234e. Donc il a fini 1234e, donc il a pas, on va dire, il a pas fait le Touquet quoi. Mais bon, voilà.
quand même, ils ont tous peur ici. On dit, on allez les gars. C'est pas il faut que je rentre ici. Non, c'est pas j'étais pas venu l'année dernière. Ouais, ouais. L'ambiance c'est moyen quand même. Ouais. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de musique. Pas ouf. Hein. Peut-être comment t'es bon. Ouais, c'est bien. Non, je fais genre. J'allais dire, je termine tout, je faisais trop le mec. Vous êtes moi. Hop. Merci. Avec plaisir. Merci. Comme ton comme un pilote. Toi comme un pilote. Là on attend encore pour le soumettre. Et après faut encore attendre. Et après quoi? Après faut encore attendre pour avoir les transpondeurs sur la moto. Et... On va expliquer après ça. Il l'a passé 113,7. Il a fait combien? 113,7. Ouais, 113,7. Tout lui rire à 114. Ça va. Ça passe. C'est large. Ça va là-dedans. Bon, un petit peu. Il enregistre, là, hein, ouais. Regarde ce que, si je le mets mal. Ouais, c'est ça. Ouais. On a des preuves. On, jamais, on a des preuves. Je vais vérifier derrière quand même, on sait jamais. Il n'y a pas le but des 40 sur celle-là. En plein dessus, carrément. Impeccable. La GoPro. Parfait. Voilà, ouais, pas de GoPro. Allez, hop. Bon. Allez, bon courage. Merci. Quoi? Vague 2. Ah, c'était sûr. Ouais, il y aurait peut-être moyen. C'est un malentendu. C'est un malentendu, on peut peut-être... On verra. Monaco. Monaco. Bah gros, les gens, ils viennent de la France entière, gros. Bah, de... Est-ce qu'on rappelle quand même, Clotaire, que l'enduro, c'est quand même la dernière épreuve du championnat de France des Sables et la première épreuve du championnat du monde. Mais c'est ce gueule. Ah, voilà. On t'a qui broie la moto, les frères. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on va rouler ou quoi? C'est merde, je vais faire un tour. Alors Clotaire, est-ce que tu nous fais une petite présentation rapide de tous tes sponsors? Alors qu'est-ce que tu as à nous présenter en premier? Je pense le principal. Bah, le principal, principal, on est devant le camion. MCB, Mushi Concept Bâtiment. Je remercie Cyril du coup pour toutes les saisons qui m'accompagnent. Ouais. Après Rivalis aussi pour la deuxième fois. Rivalis qui t'a suivi déjà également l'année dernière. Ouais, c'était l'accompagnement où j'ai d'ailleurs mis la moto à leur salon à Bully-les-Mines cette année. Après, bon, enfin devant. Ça c'est Tipeee. Ça, c'est Tipeee qui t'accompagne. Ouais, du coup, je fume des clopes cette année parce qu'il veut pas rouler.
GLEC, Jonathan Alliot, Société d'électricité sur Seclin. Et JP Pecker en gros œuvre sur un zinc, sur à côté de nous. À côté de vos locaux. Ouais. MCE, c'est nous aussi, c'est concept embellissement. Ah, c'est les mêmes locaux, ouais. Ouais, MCE, c'est MCB. Embellissement, donc seconde œuvre, rénovation intérieure, tout ça, on fait tout. Après, il y a aussi derrière avec les trois sociétés Mouchy Concept. Mouchy Concept Bois, du coup, le frère de mon patron. Alexandre, ouais, qui est basé dans le nord en charpente et menuiserie. Ouais. Après, cette année, on a la SMEC qui nous a rejoint aussi. Ouais, ils n'étaient pas là l'année dernière. Non. C'est un nouveau partenaire avec qui je bosse de plus en plus et avec qui on s'entend super bien, qui est d'ailleurs motard, qui sera d'ailleurs là à partir d'aujourd'hui. Et son beau garçon roule aussi sur la course dimanche. Ouais. Après, on a plus qu'un Military Parts. Du coup, c'est notre copain Charlie, l'anglais, que j'ai mis son petit logo pour le plaisir sur la moto, qui vend des pièces militaires. Ils vendent des pièces détachées, parlez. Tout, ouais, ils vendent tout, un peu d'US. Après, ça, GoPro Pinstar, ils me sponsorisent pas, c'est juste pour le style. Et là en dessous, c'est quoi ça? C'est quoi ce beau logo là? Ça, c'est les copains. C'est les copains. Après, ici sur le côté, je vois. Après, on a l'ancien logo ici. Qui fait plus mécanique. Ouais, voilà. Après, pareil, le Speedwork, c'est la personne qui me fait l'équipe déco et puis la pression sur les maillots. Pierre et Propre qui sont aussi nouveaux cette année, c'est une société de nettoyage particulier, professionnel, vitrerie, nettoyage de bardage, panneaux solaires, ils font vraiment tout, vraiment tout ce qui touche au nettoyage. Après, Forest, c'est celui qui s'occupe de gestion, on va dire téléphonie, internet, tout ça pour les deux sociétés. Qui te suivait déjà l'année dernière également. Après, JP Pecker de nouveau. Hein. Il dira qu'il n'y avait pas encore assez de logos sur la moto, mais il y a encore là aussi. Il y a encore là. Trois fois sur la moto. Et ensuite, ici derrière. Après, on a MCE, forcément, la boîte, Rivalis, JLEC. Bon, ça, c'est pour le style. Ça, c'est un petit clin d'œil pour mon père. Qui était de 65. Voilà, c'est ça. Qui sera un petit bout de nous. Et voilà. Quoi, après. Du coup, là, on charge, on remet dans le camion. Ouais. On va aller faire un tour au Press Day aujourd'hui. Aller voir Rémi les au copains Vintage. Qui roule au Vintage. Bon, merci à tous les sponsors. Ouais, oui, vraiment merci parce que. Qui t'ont permis de partir au ski grâce à l'argent. Non, parce que c'est vrai qu'on ne dirait pas comme ça, mais ça coûte énormément d'argent, ça prend énormément de temps. On compte pas, mais ça aide énormément à la participation. Et... À vivre de ta passion. C'est ça. Bah, vivre, non. Non, profiter de ma profiter passion. De passion. Ouais. Profiter de ta passion. Impeccable. Voilà. Allez, à Piron. Le débrief de la course vintage. On a Rémi du Squadron qui a fait la course. On l'a vu passer trois fois. La troisième fois, il est rentré au stand. Après le stand, il est parti, il a refait la ligne droite. Bah, la boîte de vitesse a rendu l'âme. Ouais, la boîte, elle a cassé. Donc il pouvait plus passer quoi, la 4 ? Il pouvait plus passer, il était bloqué en 3 et 5. Et donc du coup, il est revenu en pick-up, c'est ça ? Avec Van Beveren, véridique. Van Beveren qui a serré, je crois. Donc il est revenu en pick-up et il finirait, de ce qu'on avait entendu, 352. Donc à vérifier, mais 352 sur donc du coup les 700... Oui, non, pas moi. Okay. Ah, vous voulez passer sur l'internet? Vous êtes toute jeune. Ah oui, c'est ça. Vous êtes jeune. Avec un beau jeune homme, regardez. Avec un beau jeune homme. Vous êtes jeune depuis plus longtemps. Mais pas du tout. La station chic du Touquet, là, c'est... Ouais, on est pas assez chic pour vous. J'ai mis un PEL dans le camping-car. Pas assez chic, le PEL. Bonne journée, madame. Je vais te filmer avec madame. Attends, j'ai mis un PEL. PEL dans un putain de camping-car pour 4 jours. Et il est pas assez chic pour elle. C'est pas assez chic.
Et puis du coup, fin de journée. Ça arrive. Hein. On rentre au camping-car se réhydrater. On va manger du hérisson ce soir. On va manger du hérisson ce soir. Alors. Bon, on va manger du hérisson. Et puis bah, on vous reprend s'il y a des news. Hein, et... Bon, désolé les gars, on vous reprend la GoPro. Il n'y a plus de place sur la carte mémoire. Du coup, tu disais, Pierrot. Je sais plus ce que je disais. Tu sais, elle disait les conneries là. C'est bien possible. Bonjour. Bonjour. Ah, allez, 9 dans le papier. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Elle vous plaît? Et moi, ce que j'espère pour vous, c'est que vous arriviez. Non, c'est pour quand? C'est pour dimanche. Dimanche. Ah, mais il y va pour la gagne, ça devrait aller. Ouais. 751 à retenir. Très bien, 751. Oui, on retient. Bonne fin de journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. What the hell? Retour, ou pas? Ouais. Ouais. Bah, déjà, il n'y a pas beaucoup de. En retient, t'es bien baissé. Il y a tellement d'air qui est remonté que le liquide y a baissé, il n'y en a plus. Par contre, tu aurais un chiffon ou pas? Comme ça, on fait ça propre. Et là, on est vendredi en vacances et on fait une purge. Oh. Let's go. Alors, Clotaire, jour numéro 2 de l'enduro. Oui, ça va. Objectif, donc qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Bah, ce matin, on n'a rien fait. Bah si, on a été voir les ouais, les juniors, voir rouler les juniors. Jouer. Jouer, rouler. Pour les juniors et puis, ensuite là, direction le parc fermé. On va mettre la moto au parc fermé. La barrelle. On va mettre la barrelle au parc fermé. Et puis, on revient. Et puis on dort bien et puis on verra demain. Terne. Des oh. Fans, des fans. Un fan de Clotaire KFC. J'ai tout perdu. Qu'est-ce que tu fais? L'objectif est dégueulasse. Ouais, gros, c'est ce que j'allais dire. Ah vraiment? Tu vas-y, c'est pour YouTube, mec. Salut à tous. C'est Max. Je te laisse faire. En direct du Touquet. Attends, j'allais faire une connerie, mais. Interview Charles Expert Edouard, bonjour. Nous sommes ici du côté de Lune Plage. A few moments later. Comment on fait pour arrêter? 751. Attention, 451. Voilà, donc là, on a oublié de filmer. On a oublié de filmer tout. Donc là, on... que je connais, que je sais pas comment il s'appelle. Hein? Tout devant. Ta position dans le parc. Bah ça va, je suis content. Bien passé, je suis quand même. Sa chance de l'année dernière. Ouais. Et d'ailleurs, j'étais tout au bout. Et puis là, bon, je suis bien avancé. Et apparemment, l'ouverture se fait juste devant la moto, donc du coup, on est bien. Ouais. Et là, on va préparer la petite chariote pour le ravito demain. Pour qu'on soit prêt une heure avant les stands. Et puis bah, il n'y a plus qu'à attendre et se reposer pour demain. Impeccable. Oh, elle est lourde. Ah, il y a du contenu. Il y a du contenu. J'ai bien peur que la vidéo va devoir se terminer comme ça. Parce que là, comme vous avez vu, donc j'ai accompagné Clotaire jusque le parc fermé où il a récupéré sa moto. Donc je suis resté voir si elle démarrait. Bien qu'en soi, je ne sais pas trop ce que j'aurais pu faire à part peut-être l'aider à le pousser si jamais. Mais enfin, il est bien parti. Donc moi, j'ai couru jusqu'au ravito pour rejoindre les assistants Pierre et Amandine. Pierre qui va s'occuper, lui, pendant la course, en fait, du panotage. On n'a pas d'image de la course, malheureusement, parce qu'en fait, Clotaire fait presque 2 mètres. Et en fait, la seule fixation autorisée pour l'enduro, c'est sur la tête, bien qu'il y en a certains qui mettent à la montonnière, tout ça. Clotaire, donc c'est sur la tête. Et le problème, c'est qu'on n'a pas voulu, et Clotaire n'a pas voulu non plus,
parce qu'en fait, à un moment, il y a un patio où on, en fait, on passe dans une sorte de petit tunnel pendant la course. Et Clotaire m'indique des plusieurs fois, donc les pilotes d'1m80, ça passe. Clotaire devait se baisser un peu. Il a frotté plusieurs fois le casque. Donc, en fait, il aurait envolé la GoPro. Donc, c'était pas l'objectif non plus. Donc, on n'a pas d'image de la course. Clotaire, donc, il a fait un très bon départ. Un peu peur de le voir passer au premier tour parce que forcément, l'année dernière, on l'a pas vu passer. Donc, c'était un petit peu compliqué. Il est passé. Pierre a pu le panoter nickel pour le faire arrêter, pour qu'il puisse s'arrêter après une heure de course, pour qu'on puisse faire son ravitaillement. Les seules images que j'ai, c'est pendant le ravitaillement, on a pensé à mettre la GoPro sur la tête de Pierre. Donc je vais vous la commenter en même temps. Vous allez voir, en fait, c'était vraiment un ravitaillement express. Donc comme on peut voir, là, Clotaire rentre en fait dans le stand de ravitaillement. Pierre s'occupe de tenir la moto directement. Amandine, elle, s'occupe de lui enlever en fait ses lunettes, de lui donner à manger, à boire. Moi, j'essaye tant bien que mal d'accéder en fait au réservoir, parce que Clotaire reste devant pour pouvoir lui refaire le plein. Et puis en fait, ce qui était génial vraiment à ce moment-là, ce qui est génial, c'est qu'il y a les copains d'à côté, donc je sais pas s'ils verront la vidéo, mais Alex et Coco qui sont venus en fait, c'était naturel, qui sont venus en fait nous aider en même temps. Donc Pierre tient la moto, je fais le plein, il passe des petits coups de brosse un peu partout à droite à gauche. Il y avait Alex là, on a vu, qui s'occupait de brosser les radiateurs devant pour enlever le sable, pour éviter que la moto chauffe trop vite, enfin pour la laisser de nouveau respirer. Et là c'est le moment où j'ai fait le plein et en fait Pierre ne trouve plus le bouchon, il sait plus où il a mis le bouchon du réservoir, c'est lui qui l'a enlevé. Donc il cherche partout et en fait je le retrouve, il était juste là devant le devant le réservoir. Donc c'était un peu panique à bord, mais bon en fait ça dure très vite hein, parce que finalement ça a été un ravitaillement d'une minute trente, deux minutes, hein, je sais pas, ça fait trop combien de temps là que je parle. Donc je continue vite fait de brosser les radiateurs. Alex a été chercher la petite clé, lui met son embrayage, Clotaire lui demande est-ce que c'est bon machin. Et puis bah voilà, la moto on la remet au point mort. Et puis bah on perd pas de temps, on est reparti quoi. Donc pilote pro quasiment, mais quasiment pilote pro, donc une petite tape sur le cul, et il est reparti. Donc alors je sais pas trop combien de temps ça fait, alors il doit y avoir une minute trente, deux minutes, grand max de ravito. Pour un amateur, c'est pas trop mal. Donc Clotaire repart pour une heure de course. Il repart pour une heure de course, ça se passe globalement bien. Il s'arrête de nouveau après une heure de après donc du coup après deux heures de course pour un deuxième ravitaillement. Pareil, ravitaillement express, pas de soucis mécaniques, rien du tout. Donc ça c'était parfait. Et là il est reparti et en fait il termine donc du coup après sept tours. Donc il s'est arrêté devant la ligne d'arrivée parce que physiquement c'est quelque chose de complètement dingue. Donc physiquement il s'arrête après 7 tours et il termine donc du coup voilà. Et donc du coup Clotaire, donc là je vous mets oui, je vais vous mettre la dernière vidéo qu'on a de lui à son arrivée au stand. Donc on apprend qu'il finit la course, on regarde sur les classements directs tout ça, on voit qu'il finit 686 en partant dans la deuxième vague. Donc franchement pour un premier touquet on peut dire, parce que si vous avez bien suivi vous avez vu que le premier touquet il a pas vraiment fait son premier touquet. Une expérience de ouf, je vous laisse juste sur la vidéo de fin quand il arrive totalement épuisé. Donc vidéo un petit peu différente pour clôturer, vidéo un petit peu différente puisque bah, vous avez vu Peter KDF n'était pas là, pas présent. Enfin, il est venu voir Clotaire, mais on ne le voit pas dans cette vidéo. J'espère que vous aimez quand même ce petit genre de contenu. Ça pourrait peut-être arriver par la suite d'autres vidéos sans Peter, mais ça permet vraiment d'essayer de vous montrer un petit peu tout ce qu'on fait, parce que c'est vrai que tout le monde dans notre équipe n'est pas forcément impliqué dans les mêmes choses, le motocross, le militaria, le drift, la mécanique, enfin, on fait énormément de choses, donc tout le monde n'est pas forcément impliqué dans les mêmes choses, donc essayer de vous montrer un petit peu tout ce qui peut se faire chez nous, c'est un peu vous montrer nos passions, et du coup je vous laisse sur cette dernière vidéo, et puis je vous dis à bientôt, ciao.